Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc ce soir, une session autour des endpoints, des points d'accès Sparkle, parce qu'il en existe beaucoup. Il existe évidemment le point d'accès Sparkle que vous connaissez tous autour de Wikidata, Wikidata Query Service. Il en existe d'autres. On a parlé depuis de la BNF plusieurs fois. Et je me suis rendu compte que j'en connaissais plusieurs. J'ai découvert qu'il y en a d'autres que je ne connaissais pas, notamment les bases bibliographiques aussi, globalement, IDREF, pour tout ce qui est. Je me souviens plus qui est derrière IDREF ben, exactement, mais enseignement supérieur en gros, toutes les publications scientifiques, et PERSE, qui est aussi autour de publications scientifiques que j'ai découvert un peu au hasard en recherchant autre chose cette semaine. Et il y en a beaucoup et de plus en plus. Il y en a de plus en plus parce que dès qu'il y a une wiki base, c'est assez facile, c'est presque automatique d'ailleurs d'avoir un endpoint Sparkle qui va avec. Donc avec la multiplication des wiki bases, multiplication des endpoints Sparkle, forcément. Et il y a aussi des gens de plus en plus maintenant qui font des endpoints Sparkle sans wiki base. C'est le cas d'ailleurs, il me semble, de BNF, IDREF et PERSE. Je crois que les trois sont dans ce cas-là. Ils font directement des données en RDF requêtables en Sparkle, sans Wikibase. Donc les deux mouvements se complétant, ça a amené à littéralement une explosion des terminaux Sparkle. Évidemment, le meilleur outil pour trouver du Sparkle, c'est du Sparkle. Donc on va passer sur l'écran. Et on va faire une requête Wikidata autour des endpoints Sparkle. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, il existe une propriété pour ça. Il existe toujours une propriété pour ça sur Wikidata. Donc si je fais un select where, et donc je vais l'appeler les endpoints, et je vais demander la propriété WDT, point d'accès Sparkle. Voilà, la propriété 5305, qui d'ailleurs le nom. Le numéro 5305 montre que ce n'est pas une propriété récente en plus. Nous donne déjà pas mal de résultats en fait. Là, on voit qu'il y en a 133. Et on voit qu'il y a queryinventaire.io qui fonctionne avec une Wikibase, si je me souviens bien, avec le site inventaire.io. Alors d'ailleurs, si j'étais intelligent, j'ajouterais un service label. Endpoint. Endpoint label URL. Hop. Donc voilà, inventaire.io, query.inventaire.io, Open Data Web, on a deux du coup. Musée de Finlande, Ali, que je ne connais même pas. Thésaurus en ligne des écoles. Vocabulaire curriculum est de AU, donc en Australie apparemment. Link Stage Graph, Sparkle Service, ça c'est le nôtre pour Wikidata. D'ailleurs, c'est marrant que les deux. Sparkle Query Service. Ils mettent pour Wikidata et pour Commons, alors que pour moi, c'est deux choses différentes. Etc. etc. Uniprot, DruckDank, beaucoup de choses autour de. Ça, c'est des trucs plutôt historiques. C'est au début de Wikidata, il y avait eu beaucoup de choses faites autour des. Tout ce qui est médical. Donc les autorités de la BNF avec Data BNF. Voilà, la Bibliothèque nationale de Suède, DataGouv. J'ai découvert après tout coup que DataGouv avait aussi un endpoint Sparkle. Etc. etc. FactGrid, voilà, Percé que j'ai ajouté cette semaine, je crois. Voilà, Wikidata, Bibliothèque nationale d'Espagne. Etc. etc. Donc déjà, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mieux les lister. Là, il y en a 133, ce qui est déjà beaucoup, hein, mais il doit y en avoir beaucoup plus que ça. DBpedia, qui est intéressant aussi, d'ailleurs, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, c'est que DBpedia vient de Wikipédia, donc c'est très intéressant de comparer DBpedia et Wikidata, puisque normalement, c'est les mêmes données en partie. En tout cas, toutes les données de DBpedia devraient se retrouver dans Wikidata. Europeana, etc. etc. Lingua Libre aussi.
J'en ai pas parlé, mais Lingua Libre qui est très intéressant, très spécifique du coup sur les enregistrements de prononciation, mais voilà. Donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à l'ajouter. Je vois qu'il y a des choses qui se mélangent un peu parce que OpenStreetMap et SoFox sont tous les deux. SoFox c'est l'outil Sparkle de OpenStreetMap. Faudrait peut-être faire du ménage aussi d'ailleurs là-dedans. Parce que ça, c'est l'URL officielle de SoFox, c'est pas le point d'accès, puisque SoFox est déjà un point d'accès. Ça me permet de vous dire, d'ailleurs, on va ouvrir SoFox, tiens, au hasard, et Lingua Libre, ça va être parlant comme exemple. Alors, SoFox aussi veut bien marcher. Mais voilà. Il est important de distinguer deux choses qui sont similaires, et qui fonctionnent ensemble d'ailleurs. Mais il y a l'interface, on va appeler ça Sparkle, où on pose les questions. Et vous avez l'habitude, le Query Service en est un exemple. Qu'est-ce que j'écris? Query Service. Query Wikidata. Voilà. Et où là, on tape directement les données. C'est le cas aussi celui de la BNF, qui était ici, Data BNF. Voilà, l'interface ici, ça c'est une interface Blaze Graph. Ça c'est une interface, je sais même pas si c'est une interface personnalisée, je crois. Où on voit voilà, deux interfaces un peu différentes, mais on tape directement la requête Sparkle et elle est exécutée. Et ce qu'il arrive en plus parfois, alors, SoFox ne doit plus marcher d'ailleurs. Ah, si, SoFox marche. Tiens, c'est marrant. Pourquoi SoFox Sparkle ne marche plus? Étrange. Et parfois, ce qu'il y a comme valeur d'URL, c'est le lien. Comment appeler ça? Le format RDF qui est derrière, qui est du coup, ça c'est plus prévu pour les humains, l'interface. Et le fichier RDF du Sparkle, lui, est prévu pour les plus pour les machines. Les deux étant intéressants. Mais les deux étant mis dans la même propriété Wikidata ici, du coup, c'est pas toujours simple de savoir à quoi on fait affaire en fait. Et du coup, et les deux sont un peu mélangés. Ici, on descend du coup Sparkle ici et qu'on va sur cette propriété point d'accès Sparkle. Et on voit bien d'ailleurs que dans la description elle-même, hein, que ce soit en français ou en anglais, c'est l'URL du point d'accès de la base de données ou du site web. BNF, ça doit être basé sur Virtuoso, mais ça doit, je suis pas sûr que ça soit l'interface par défaut de Virtuoso. Effectivement, Blaze Graph et Virtuoso sont les deux moteurs les plus connus. Oui, donc comme je disais, l'URL peut mener en fait vers des choses très différentes, même si c'est théoriquement dans les deux cas ce qu'on appelle un point d'accès Sparkle. Du coup, je sais que quand on regarde les qualificatifs utilisés, il y en a quelques-uns voilà, qui mettent le site officiel il n'y a pas beaucoup de résultats en fait, je suis en train de voir 11 résultats. Mais il y a des affirmations détaillées dedans, décrites à l'URL, pour vous dire un protocole d'accès aussi. Cette propriété est très intéressante, 2700. Où ils essayent de distinguer si vous vous retrouvez avec une URL, où vous avez un fichier RDF ou si vous avez une interface. L'INSEE aussi, voilà, j'ai découvert. On va pouvoir prendre l'INSEE comme test. Je crois que l'INSEE en plus, ouais, l'INSEE c'est directement un test. Enfin, une interface. Qui passe par DataLift apparemment. Plus d'informations sur DataLift, je ne connais pas. Du coup, voilà. Si jamais un jour vous tombez sur un service Sparkle, n'hésitez pas à l'ajouter ici. Ça serait très intéressant. Je ne sais pas si on peut essayer de voir un peu où ils sont répartis. Si je mets pays, je sais pas si ça va beaucoup marcher ça, pays. On va tenter. Sur les 113. Ah, il y a 113, il y en a quand même 88 qui ont
un pays. Donc du coup, si je mets et que le pays a des coordonnées, corde, et puis du son, hop là, j'ai pas besoin du pays, on a que les coordonnées, et on va en faire une carte. Là, c'est pas mal réparti un peu partout. Par contre, si j'étais moins bête, je mettrais directement ici des fautes maps. Et du coup, l'avantage de ça, c'est que si on clique ici, on voit, voilà, bah, typiquement pour la France, il y en a 3 et 3, 6, 7 qui sont indiqués. En Suisse, il y en a 2. En Belgique, il n'y en a qu'un seul. En Irlande, il y en a un aussi. Alors, orfa.net. Et orfa.net qui est pour les deux. C'est quoi Orphanet, hein, pour être belge ou irlandais? Organisation, base de données biologiques, qui fait partie de plusieurs instituts, et qui se trouve en France, en Allemagne, en Autriche, au Canada, etc. Effectivement, ça se retrouve un peu partout. Je ne sais pas si pays est vraiment la valeur appropriée ici, mais qui est localisé à Paris, donc c'est une organisation internationale, j'imagine. Autour des maladies rares. Tiens, intéressant. Ah oui, les maladies orphelines, d'où orphanet. J'ai compris le jeu de mots, du coup. Mais du coup, ça nous fait plein de points sur la carte, alors que c'est pas forcément pertinent. Ah, aux États-Unis, au Royaume-Uni, il y en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? La BBC. Oh, classe. Statistique, l'équivalent de l'INSEE. Archive Hub, je ne sais pas ce que c'est. Archaeological Service, cool. Sur Ness, j'en ai entendu parler. C'est plutôt l'équivalent de l'IGN, du coup. Département des communautés, alors ça, bon, voilà. La British National Bibliography, le catalogue, Institut européen et Orphanet, qui se retrouve du coup partout. Les sons de la BBC. C'est que les sons, du coup, c'est pas tous les. Alors, c'était où la BBC? Tel quel, celui-là. Ah, c'est backstage. Mais d'accord, intéressant. Ah, et puis le lien ne marche pas. Comme ça, c'est fait. Et c'est un site Welcome to Nginx. Oui, ben, vous avez fait un problème de paramétrage. Bon, peu importe. Ça montre déjà qu'il y en a pas mal. Je vous partage la requête quand même déjà. Ça peut toujours être intéressant de la garder pour plus tard. On va en prendre 2-3 quand même. On va repasser en mode table pour faire des tests. Alors, je prends des bases que j'ai pas du tout testées. Data Sparkle, ça m'intéresse. Et IDRF, ça m'intéresse. Donc, on va faire celle-là justement. Je les découvre. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est l'interface par défaut de Virtuoso d'ailleurs, au passage. On voit qu'elle est un peu plus sobre. Que celle de et ça aussi d'ailleurs voilà là on a percé et IDRF font littéralement la même d'ailleurs ça c'est bien la Virtuoso et on voit que la BNF a fait un effort de mise en forme ce qui est toujours intéressant c'est que alors il y en a qui nous proposent des exemples là c'est pas le cas enfin, ils nous proposent un petit exemple par défaut qu'on peut lancer ce qui est toujours bien pour vérifier que la requête fonctionne, en l'occurrence, voilà, la requête Virtuoso, du coup, nous ouvre une nouvelle page pour les résultats, ils s'affichent pas en dessous par défaut. Sauf si on demande de les avoir en CSV, peut-être, ou en auto. Je sais plus comment on fait en Virtuoso. Non, là, il nous propose de les télécharger, CSV, je crois que c'est pareil. Oui, il nous propose de les télécharger un fichier. On va rester en HTML pour le visualiser en ligne. Là, c'est pareil, il nous met un lien, mais le prédicat foif ne semble pas marcher. Ah si, alors sur IDRF, ça marche par contre. Et bah voilà, remplacer par le nom recherché. Ok, d'accord. C'est marrant. Exécuter la requête. Ça marche. Ok. Ça nous donne un résultat. Intéressant. Donc ça c'est toujours une première requête à faire à faire si ça s'il y en a une qui vous est proposée c'est de la lancer pour vérifier que le service fonctionne qu'il répond dans un temps assez court parce que c'est vrai que sur Wikidata on a été un peu enfant gâté et habitué à avoir un endpoint qui répond vite et même très vite et c'est pas toujours le cas hein.
sur les autres sites. Hein. Voilà. Alors, en plus, voilà, ici, il n'y a pas d'autocomplétion. On va select étoile, where, A, B, C. Ça, j'aime beaucoup faire comme alors, le where est optionnel, mais c'est toujours mieux de le mettre quand même. Puis à la limite, pour la lisibilité, moi j'aime bien mettre en capital. Ça, c'est une requête qui marchera toujours. Par contre, qui va être très lourde. Vous pouvez la tt... Ça, vous pouvez littéralement l'écrire dans n'importe quel endpoint Sparkle. Ça veut dire donne-moi tout. ABC, ça veut dire n'importe quel triplé, vu que en Sparkle, tout est un triplé. Normalement, on y arrive bien. Donc, pour être un peu plus malin, on peut faire count A as. Ensuite, j'oublie de fermer mes parenthèses. As. Compte. On va l'appeler d'ailleurs, ce sera plus parlant de l'appeler total. Et ça, si normalement c'est pareil, ça doit marcher plus ou moins partout et je peux essayer de la lancer. Et ça nous donne bah, du coup la totalité du nombre de triplés, donc de données brutes, dans un endpoint. Donc là, on voit qu'il y en a un sacré paquet d'ailleurs. 786, 157. Donc 226. 1 857 786. Ça fait un bel endpoint Sparkle. Si je fais la même requête côté percé, pareil, alors là il nous dit que ça en fait un peu moins du coup. 47 659 000. Côté INSEE, pareil, on peut lancer. Exécuter la requête. Ah, voilà, vous avez INSEE, il a mis 2-3 secondes Est-ce qu'il nous donne le temps d'exécution d'ailleurs? Non, il nous a pas mis le temps d'exécution. Mais là, il n'y en a plus que 3 millions, si je lis bien. Alors attendez, je peux agrandir, ça sera plus lisible pour vous. Voilà. Celui de la BNF répond aussi bien normalement. Oui, databnf.fr. Ben, je suis bête, j'ai qu'à le sélectionner ici. BNF. Et on peut faire la même requête ici. Et ça va nous donner le résultat. Alors ça, c'est quand même une requête qui est assez grosse parce qu'on lui dit prends tout et compte. Donc il y en a qui sont optimisés avec des index, etc., qui permet d'avoir une réponse rapide, plus rapide que la moyenne. En fait, il met en cache d'une certaine façon cette requête parce qu'il sait qu'il y a plein de gens qui vont essayer de la tester. BNF est normalement assez rapide, mais je sais pas jusqu'où ils sont allés dans l'optimisation. Là, typiquement, voilà, les deux autres a fonctionné très rapidement. Celle-là, elle n'a pas l'air de vouloir aboutir. Elle va peut-être pas du tout aboutir. Faut dire que je ne sais plus quel est le résultat. Je l'ai fait une fois il y a longtemps, mais la BNF a une base de données qui est énorme, mais énorme, énorme, plus grosse que Wikidata. Je me souviens plus quel est le chiffre, mais c'est quelque chose de l'ordre de 20 milliards de données, je crois. Donc là, avec 460, non, 47 millions, 226 millions et 33 millions, c'était? Ouais, 3 millions, on est sur des endpoints beaucoup plus petits. Ça a marché. Alors du coup, qu'est-ce que je vous disais? 241. Ah non, 623, un demi-milliard. C'est quand même beau, entre guillemets. Et il a répondu en 52 secondes, ce qui est relativement correct quand même. Voilà, bah à la limite, je vais pouvoir partager cette URL. Voilà. Je ne vais pas vous la partager partout. Alors si en plus si tout le monde l'a fait, on va faire tomber leur serveur, ils vont pas être contents. Alors le problème de l'URL, c'est que là, elle n'est pas raccourcie, donc elle n'a pas trop marché. Et là, on peut mettre l'URL vers le résultat. Je ne sais plus s'il y a un lien. Non, il n'y a pas de lien pour faire. Enfin, il n'y a pas de bouton pour faire le lien vers le résultat. Et là, est-ce qu'il y a un bouton de partage? Il n'y a pas vers. Voilà. Et après. Ce qui est intéressant aussi comme requête que j'aime bien faire de base un peu partout, donc c'est select étoile, where, et donc pareil, une variable qui a aucun sens. A et B, et mettre RDF type.
Ça, c'est une requête qui va nous donner tous les types de données qu'ils ont, qu'ils connaissent. Pareil, ça, c'est une requête qui est un peu longue parfois, mais qui normalement fonctionne assez bien. Ça, c'est deux requêtes exploratoires quelque part. Je les lance en parallèle. Mon ordinateur va me détester définitivement. Et voilà. Donc, la BNF, il n'a pas répondu. Percé a répondu, il nous donne voilà tout un tas de types. Donc c'est intéressant parce que si vous connaissez un peu, il y a des types qu'on va retrouver un peu partout, il y a des types qu'on va même trouver voilà tout ce qui commence par Perl là, PURL en fait. Le P signifiant pérenne, URL pérenne je crois. Donc on voit qu'on trouve des documents. Ah oui, alors par contre, je me suis planté, c'est pas ça que je voulais faire. Select pas toute étoile, select distinct B. Ça ferait une requête plus courte parce que je veux pas toutes les colonnes machin, etc. Effectivement, c'est pour ça qu'il souffre. Voilà, il souffre tellement qu'il n'en veut plus. Distinct B. Oui, là c'est pareil, il nous en donne plein, du coup il nous donne. Mais il nous donne le résultat là. Il a dû nous donner les 1000 premiers résultats. Oui, c'est ça. 5 pages de 200 résultats, mais il nous donne tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste les différentes valeurs ici. Là où on voit property, property, property. C'est pas intéressant. Toutes mes excuses. Voilà. Donc là, tout de suite, on voit beaucoup moins de 200 résultats. Voilà. Alors là, la BNF. Ah bah oui, parce que j'ai mis étoile aussi. Voilà. On relance ça. Il n'a pas voulu lancer celle-là. Voilà. Donc là, on a une liste qui montre tous les types de données présents dans. D'ailleurs, si je le fais aussi sur le query service de Wikidata, c'est un truc qu'on ne fait pas souvent, mais qui est intéressant. Voilà. Donc sur Wikidata, par exemple, on a 1226 types avec des schémas, Wikibase, etc., les propriétés, etc., etc., etc. Là d'ailleurs c'est nos propriétés internes qui ont un identifiant qui ne veut rien dire, qui n'est pas forcément pratique. Mais voilà, on voit des data types, objets, propriétés, ontologie, etc. Articles, ça c'est les articles Wikidata. On voit les rangs, les précisions, les coordonnées, les quantités, il gère le temps, on a un type spécifique, etc. La BNF, elle, ne donne voilà que 38 résultats parce que c'était un commentaire que faisait quelqu'un tout à l'heure dans le chat. C'est que la BNF en fait a beaucoup de données qui sont en plein texte. C'est pas vraiment des données structurées. Elles n'ont pas un type. Ça c'est un lieu, ça c'est un ça c'est une date pour les dates de naissance, etc. Donc voilà, on en trouve. Mais souvent on va retrouver les mêmes. Le fameux foaf personne que. Luzona mentionne dans le chat, on le retrouve ici, là par exemple, FOAF personne. Je suis sûr qu'on va le retrouver ici, un FOAF, FOAF organisation. Ah, il n'y a pas personne ici? Non, il n'y a pas l'air d'avoir FOAF personne, autant pour moi. FOAF personne, là on va le retrouver aussi, FOAF organisation, on trouve les deux, FOAF document, FOAF personne, oui c'est ça, c'est les trois. FOAF, juste pour rire, ça veut dire quoi déjà? J'ai déjà oublié, c'est un type d'ontologie. Friend of a friend, l'ami d'un ami. Ok. Et en fait, les ontologies RDF, c'est ce qui, bah voilà, permet de structurer les données les unes avec les autres, entre elles. Sur Wikidata, on a décidé un peu de casser tout ça avec les éléments, les entités propriétés, où du coup, il n'y a pas assez d'ontologies existantes pour toutes les choses dont on a besoin. Donc du coup, on a créé nos propriétés, on a créé notre propre ontologie quelque part. Il reste que les propriétés, les ontologies classiques, pour tout un tas de besoins, sont souvent suffisantes. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve les mêmes, voilà, foaf personne, pour dire que ça, c'est une personne, on le trouve ici. Et là, on est sur la base. Ah oui, la base INSEE, ben, on trouve aussi foaf personne d'ailleurs. Et d'ailleurs, à chaque fois, en fait, ce qui vous donne les propriétés, c'est un lien. Et on peut aller sur la page et voilà, foaf spécification qui vous explique toutes les détails de comment fonctionne foaf, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a. Voilà, il y a des propriétés noyaux
un agent, une personne, un nom, un titre, un lien vers une image. Là, on a P18 par exemple, mais aussi tout un tas de propriétés pour lier vers Commons. Projet, organisation, groupe, membre, document, image. Et il y a des propriétés FOAF un peu particulières. FOAFNIC par exemple, qui sert pour un surnom, c'est ça? Enfin, le nom sur un site. Le nom de Twitter ou des trucs comme ça, par exemple, ça pourrait être avec FOAFNIC. Voilà. Les FOAF personnes, pour celui dont on parlait tout à l'heure, ici. Ça, donc c'est la classe qui représente les personnes, hein, les people, les gens. Quelque chose est de la classe personne si c'est une personne, ok. Mais il nous précise qu'on nitpique, on ne fait pas de, on fait pas la fine bouche, on dirait en français, je pense. On fait pas la distinction, en tout cas, s'ils sont vivants, morts, réels ou imaginaires. Donc c'est vraiment les personnes, c'est vraiment pas être humain, mais personne au sens large. Ce qui permet de pas forcément se prendre la tête aussi. Typiquement sur Wikidata, je sais qu'on a des personnes qui ont pour nature de l'élément d'être personnes potentiellement imaginaires, personnes historiques non attestées. On a tout un tas de natures un peu chelou pour tout ce qui est histoire ancienne. Typiquement les premiers empereurs du Japon. En fait, si on fait la généalogie des empereurs du Japon. Si on remonte de père en fils, etc., etc., on arrive à la déesse du soleil, qui est clairement, ben, une personne au sens large, mais qui est clairement pas un être humain, c'est une divinité. Et l'empereur du Japon actuel, par contre, c'est clairement un être humain. Et entre deux, y a forcément un moment où c'est passé de l'imaginaire au réel, du divin à l'humain, en tout cas, selon leur propre religion. Donc, la facilité, c'est de tout mettre comme personne, pour prendre un exemple. Boulet Bill, pourquoi pas, Boulet Bill, tous les personnages fictifs, effectivement, Sherlock Holmes, tout ce qu'on veut, voilà. Guillaume Tell, voilà, on va pas prendre tous les exemples parce qu'il y en a énormément. Et maintenant, une fois qu'on sait que ces propriétés existent, par exemple, FOAF personne, eh ben, on peut revenir dans IDRF, là. Alors là, je ne peux plus tous les utiliser, ça sert à rien. Mais du coup, au lieu de prendre. On va prendre tout quand même. Mais ici, je sais qu'au lieu de RDF type, qui pareil, est une propriété très courante, je peux utiliser FOAF personne. Alors, ça doit être case sensitive, FOAF comme ça. On va faire limite 2 pour en avoir que 2. Ça a été le cas au tout début de Wikidata. Tout mettre en personne. Je me souviens du boulet quand il a fallu différencier. Oui, ça a été un sacré boulot. Si je suis moins bête, personne. Comme ça. Oui, voilà, ça marche. Oui, vu que j'ai dit que c'était RDF data type, en fait, on peut mettre donc RDF type, comme ça. Et en fait, RDF type, il a un alias qui est A pour is E, est un. Donc je peux mettre soit RDF type, là, si je le lance, ça marche. Mais je peux mettre aussi plus simplement juste A, ce qui marche aussi sur Wikidata d'ailleurs. Et sur la plupart des trucs. Donc du coup, on a une personne totalement au hasard. On va voir qui on a. Une microbiologiste, Florence Dubois-Brissonnet. Je ne la connais pas. Mais du coup, ça va être notre exemple de ce soir. Vu que je sais que cette personne existe, j'ai trouvé un nœud en fait pour détricoter, découvrir. Je pars de là, je mets l'URL et là je vais mettre toutes les propriétés et les valeurs autour de cette personne. Et là je peux lancer et du coup cette fameuse personne, je vais trouver toutes les informations sur ma fameuse Florence. Donc je vais voir que toutes les notices sur les personnes, a priori, vont être structurées plus ou moins comme ça. Donc par exemple, là, il nous dit bien que le RDF type est d'être une personne, que c'est la même personne que celle qu'on trouve là, same as, équivalent. Donc là, du coup, c'est pas FOAF, on est dans l'ontologie all, OWL. C'est la même chez ORCID, c'est la même chez VIAF, et c'est la même dans Data Archive Ouverte aussi. Et
qu'elle a eu une naissance, une date de naissance, une birth. Donc ça, c'est un événement pour une personne. Un identifiant BNF, un libellé préféré complet, le nom, où là le nom par contre c'est vraiment que son nom, sa nationalité, et là ils font référence à un service externe, mais ça j'imagine que si on sort il va nous dire que c'est la France, Géonème, Republic of France, fameux Géonème que certains chez Wikidata n'aiment pas beaucoup, parce qu'il est précis et trop précis même parfois. Bah là, il l'utilise et à mon avis, il a raison. C'est pas forcément intéressant pour eux. Qu'elle parle le langage, la langue française, que son given name, son prénom est Florence, que son nom de famille est Dubois-Brisonnet. Et après, différentes choses qu'elle a de genre féminin. Et ça, c'est des descriptions. Du coup, j'imagine, si on voit sa notice, c'est la même propriété à chaque fois. Donc, ils ont mis deux champs deux fois. Notice publique d'information, docteur, professeur, ok, ça pourrait peut-être être mentionné les deux dans la même note, je suis pas sûr de savoir pourquoi ils ont distingué, sans doute parce que c'est deux métiers différents, bref, voilà. Donc du coup, une fois qu'on est parti de là, on sait qu'on peut essayer de chercher les choses comme ça. Là, par exemple, ça serait intéressant de faire une. Non, il dirait qu'ils vont tout savoir. Citizenship. Il n'y avait pas lieu de naissance, du coup? Il n'y a pas lieu de naissance. Zut. Il faudrait que je prenne un exemple qui a un lieu de naissance. Peu importe. Dalf73 nous dit, j'ai vu récemment, il y a un Describe. Permet d'avoir tous les triplés partant du nœud. Alors oui, alors Describe, je sais jamais comment ça marche. Donc Sparkle spécification. La fameuse page où on se réfère pour revenir aux bases de Sparkle. Parce que là, on sort de Wikidata, c'est pas toujours pareil. Describes. Informative. Alors. Disky X, where? Ok. Ok, alors on va voir la différence. Alors moi j'ai fait ça. Et si je fais, du coup, c'est juste describe. On va reprendre la même chose. Describe. Ah non, c'est pas du tout la même chose en fait. Je suis en train de me mélanger les pinceaux. Describes is foaf. Describe P. Comme ça. On va tenter. Après, describe, je sais que ça marche pas forcément partout. Toutes les possibilités. Ah oui, mais attendez, je peux faire juste ça en fait. Je me prends la tête là pour rien. Alors non, en plus j'ai mis foaf personne, c'est beaucoup trop large. J'ai pas mis le bon truc. Mais du coup, si je mets juste describe et l'URL, l'URI d'ailleurs, pas l'URL, describe. Oh! Non. What? Ah, si, c'est pas mal. Ok. Bah pour le coup, je suis bluffé. Ça marche très bien. Donc là, il nous rappelle tous les préfixes. Donc c'est un peu bizarre de voir ça au début. Mais si on descend là, on a bien subject item. Il nous donne tous les nœuds. Alors des N2, là, ça c'est. Alors je me rappelle plus de cette syntaxe. Là, on retrouve toutes les informations. J'adore le format date of birth, date de naissance 19XX. Effectivement, comme le souligne Saint-H-Charazin, c'est un classique des bibliothèques. Describe, et ça marche aussi chez nous? Oh! Eh ben, je pensais que c'était je pensais que c'était bloqué. Alors, c'est que je suis parti là. Il y a Describe et via Construct.
Construct, par contre, ça, je sais qu'on peut pas le faire. Je crois qu'on ne peut pas le faire, en tout cas. On est limité au select et au describe, du coup. Mais describe, WD, ok, ça marche. Et effectivement, là, describe. Et ça, du coup, describe, vu que c'est bas niveau, ça doit marcher un peu partout. On pourrait tester ailleurs. Et donc, du coup, où c'est que je l'ai mis? Trop d'onglets ouverts en même temps. C'est pas grave, on va l'en faire ici. Pour que vous compreniez le lien. Ah oui, si j'oublie un C, forcément, il y a une erreur de syntaxe. Je vais fermer tous les onglets et arrêter de me perdre. Mais du coup, on sait que c'est une personne qui est française. Construct marche sur Wikidata aussi. Ah bah, Yon, Dalf, tu m'apprends des choses ce soir. Je confonds avec autre chose, sans doute. Ok. On va en faire une ou deux dernières. Et puis après, j'ai vu que tout à l'heure, plusieurs personnes m'ont donné des indices intéressants. Donc, on va regarder. Ah, par contre, si j'avais été moins bête, j'aurais gardé mon. Ah, il ne garde pas en mémoire celle que j'ai fait tout à l'heure. Je l'ai gardée ou pas? Non, il ne les garde pas en mémoire. On va prendre un X fois. On va prendre une autre personne du coup. Is E. In 2. Je lance ma requête. On va prendre une autre personne. Jean-Emmanuel Coutou, titulaire d'une thèse. Ok, on va prendre cette URL. D'ailleurs, l'URL ici, c'était bien la même que. Non, faut faire attention. Là, je peux pas prendre l'URL ici, parce que ça, c'est vraiment une URL. L'URI, c'est slash ID à la fin. Ce qui est facile de passer de l'une à l'autre. Mais si je rentre la mauvaise URL, mauvaise URI en l'occurrence, il va pas aimer. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Select. Ah oui, alors, pour l'URI, toutes les propriétés et les valeurs. Parce que je me souviens plus comment c'est structuré. On va lancer la requête. Et c'est ça. Et donc, du coup, si je veux récupérer toutes les personnes qui ont pour pays de citoyenneté France, on peut faire comme ça. Du coup, on va prendre tous les X. Qui ont du coup si je mets brutalement comme ça doit marcher. Il y a peut-être des raccourcis, mais je suis pressé et feignant de les chercher ce soir pour vous. Voilà. Et donc là j'ai toutes les personnes, j'en ai même énormément. On va lui demander d'arrêter de calculer. Et plutôt que de me donner la liste, voilà, on va lui demander de compter. Tous ceux qui sont alors, count le nombre de x as count. Et si je fais run query, là voilà, j'ai un nombre beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, 0,35. Voilà. Donc on sait qu'il y a 1,4 million de personnes de nationalité française dans IDRF. Ça, c'est cool. Et ce qu'on peut faire, plutôt que de compter bêtement les Français, ici je peux mettre une variable que je vais appeler pays. Et si je mets la variable pays ici, il va me faire, voilà, pour chaque pays. D'ailleurs, si j'étais intelligent, j'ajouterais un order by desk de mon compte. Comme ça, il va me mettre les pays les plus représentés en premier. Donc normalement, voilà, sans surprise, on trouve 1,4 million de Français. Après 320 000, et puis alors là par contre il faut cliquer à la main puisque c'est un service externe de États-Unis, 220 000 de Allemagne, etc. Il y a peut-être moyen d'afficher un libellé pour que ça soit plus simple, mais en tout cas ça marche. Là si je vous partage, je sais pas si ça va marcher si je vous partage cette URL parce qu'elle est très longue. Elle a pas l'air d'être trop longue. Si elle est plutôt bien passée dans le chat, n'hésitez pas à la regarder. Voilà une petite démo de comment on peut explorer des données, aller plus loin,
voir des choses. Pour l'instant, je commence à découvrir seulement, notamment IDF et Percé. Je vais regarder plus loin. J'ai commencé à regarder, mais j'ai pas encore réussi à faire simplement le. On a vu tout à l'heure qu'on avait des indicatifs qui pointaient vers d'autres bases de données, d'autres bases de connaissances. Et ce que j'aimerais bien récupérer, c'est s'il y a déjà des identifiants Wikidata. Je crains qu'il n'y en ait pas beaucoup, malheureusement, pour l'instant. C'est marrant, il y en a 22 700 qui pointent vers la page d'accueil de GeoNames. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de nationalité, ça. Ici, je descends tout en bas, juste pour rire. Il y a une personne qui a une nationalité chelou, qui est tout seul en tout cas. Oh! Sainte-Hélène, Ascension et Tristan d'Acunha, qui sont techniquement trois îles indépendantes, et relativement indépendantes. Il n'y a pas grand monde. Qui c'est qui est de Tristan d'Acunha? Ça me fera ma dernière requête, c'est que là, je peux prendre ça ici et de demander, au lieu de compter, on va demander le X, la personne qui a pour pays. Tristan d'Acunha, qu'on appelle parfois île de la désolation en français, pour situer à quoi ressemble le paysage de cette île perdue au milieu du Pacifique Sud, de l'Atlantique Sud. Evzei Mogilenski, qui vient de à Sainte-Hélène en fait. Il vient pas de. Je suis déçu. Sauf que cette personne est russe, donc pays Sainte-Hélène. Me semble étrange. Est-ce que il est présent ailleurs? Il est présent dans Viaf. J'ai jamais trop vu de Wikidata ici, donc ils ont peut-être pas Wikidata. Il faudra peut-être que je fasse la démarche à l'envers, et puis il faudrait que je regarde surtout la fédération. Ça sera pour une prochaine fois. France Archive le connaît aussi. Intéressant. Je vois pas de lien avec Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, il y a aussi une prison. Hein, donc, forcé d'émigrer à la suite de la Russie, etc. Il a peut-être passé à Sainte-Hélène à un moment. Mais ça a pas l'air de. Ça doit pas être sa nationalité. Hein. Ce serait étonnant qu'il en ait acquis la nationalité. Sachant qu'en plus, à Sainte-Hélène, même si c'est relativement un pays indépendant, ils ont tous la nationalité britannique, plus ou moins. Bref, je vais m'arrêter là, pour cette partie-là en tout cas. On va aller sur Wikidata pour faire deux, trois trucs au-dessus. Ensuite, Acharazin nous dit que j'ai jamais vu de Wikidata dans IDRF, mais il y a toujours Viaf. Bah du coup, c'est exactement le point de réflexion où j'en suis arrivé. Je vais quand même vérifier pour avoir la certitude qu'il n'y a pas Wikidata dans IDRF. Mais s'il n'y a pas Wikidata, à la limite, c'est pas grave. C'est parce que s'ils ont Viaf et que Wikidata a aussi Viap, je peux m'en servir comme pivot pour comparer les deux quand même. Sachant que c'est beaucoup plus simple de comparer avec un identifiant, que ce soit Viaf ou un autre d'ailleurs. Viaf a l'avantage d'être connu et d'être assez complet. Que de comparer par rapport, par exemple, au libellé Wikidata et les noms. Il suffit que ce soit pas transcrit de la même manière, qu'il y ait un deuxième prénom qui soit indiqué, etc. Et l'alignement va devenir cauchemardesque. Donc on ne fera pas comme ça. Alors du coup, je vais remonter dans le chat où on me disait qu'est-ce qu'on me disait? On me dit plein de trucs. Il y a Isidore, mais il y avait voilà un Acharazin nous donnait un lien vers Onsem. Quelques points d'accueil par quel BNF? Objet numérique sémantique, Onsem. Oh! Ah bah Jean-Claude Moissignac. Ok, d'accord. Je me demandais qui faisait ça, ça avait l'air cool. C'est cool. Par contre, oui, ça date de 2014. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours existants et actifs. Du coup, il y en a plusieurs. Opeana, Giving Sense, je crois qu'on les a vus. Mais du coup, bah, c'est bien. On va chercher dans ma table que j'ai gardée tout à l'heure. BNF, on l'a. Isidore. Par contre, effectivement, on ne l'a pas. Donc, on va taper Isidore, la base de données, si on la trouve. Site web, c'est celui-là.
Isidore, je reconnais le logo, c'est bien lui. Site officiel, etc. Et si je cherche la propriété Sparkle, elle n'y est pas, effectivement. Le projet est décrit ici, le point d'accès est ici. Ah, la description n'existe plus. Ah, dommage. Par contre, le point Sparkle existe effectivement. SQE, Sparkle Endpoint. Pourquoi SQE? On ne sait pas. Mais du coup, là, sur Isidore, je vais pouvoir ajouter sans problème. Merci le chat de point d'accès. API, c'est bien. Sparkle, c'est parfait. Et en voilà un de plus. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre après du coup? DBpedia, ça on l'avait. Par contre, il nous donne le point d'accès de DBpedia en français. Ça, c'est intéressant. DBpedia. Projet communautaire. Alors, je vérifie en parallèle qu'il existe bien toujours. Et il y a du snorkel aussi. Tiens, c'est marrant. Il y avait du snorkel, ça n'existe plus. Ok. Mais c'est un Virtuoso qui marche très bien. Et donc du coup, là, on a vu qu'il y avait déjà une valeur. Ah, bah parfait. C'est bien fait. dbpedia.org, Sparkle, c'est de l'anglais. FR, c'est du français. JA, c'est du japonais. Mais à la limite, si on est parti là-dedans, est-ce que si je mets DE, ça sera de l'allemand? DE, c'est de l'allemand. Là, bah, on peut ajouter. Du coup, DE, langue de l'œuvre. Et puis là, DBpedia, je ne sais pas en combien de langues ils existent. ZH n'existe pas. RU n'existe pas. IT. Ah, IT. Non, IT n'existe pas. Je sais pas ce que je tape trop vite. Non, FR, EN. Et c'est là que About ou autre part, ils vont peut-être pouvoir nous. Development is fully documented publicly. Cette version est. Ah oui, mais ça, c'est la version de Sparkle. Ça ne m'intéresse pas. Non plus. Non plus. Ah oui, c'est la doc de Sparkle. Moi, c'est au-dessus qu'il faut que je regarde. Virtuoso. Ça, c'est la doc générale de Virtuoso aussi, non? Virtuoso Open Link. Oui, c'est la page générale. C'est ça qui est chiant, ils ont un super service, mais qui est pas toujours bien documenté. Ok, là ils nous donnent les différents URIs qu'on pouvait obtenir nous-mêmes. Les différents préfixes. Ok. Pareil, intéressant, mais pas plus que ça. Ah, par contre, si là je vois que voilà, DB. Ah, si, je suis médisant, il y a quand même des trucs intéressants ici. Par contre, attends, il me dit qu'il y avait un RU. Bon, on va mettre du coup CS pour le check. Du coup, effectivement, ça marche. Puis on va pouvoir finir là-dessus. Du coup, à moins si vous avez pendant ce temps-là des questions, n'hésitez pas. Manque de l'œuvre. Et là, ça peut sembler un peu idiot de les rentrer tous à la main, mais c'est quand même important de dire. J'ai oublié le HTTP. J'ai bien tapé l'URL. J'ai bien tapé l'URL. Donc, CS, DE. DE, je viens de le mettre. Hein. Oui. EL pour le grec, du coup. EL. Je vérifie toujours à chaque fois que ça marche bien quand même. Ah bah voilà, EL. Alors c'est chelou parce que. Avec HTTPS, ça ne marche pas. Alors que là, le HTTP est devant et marche. Ah mais c'est du HTTP. Pourquoi il met un S? Là, ça marche, ça me redirige vers un HTTPS, mais
Et si j'enlève le S là? Ouais, il y a un truc chelou. J'enlève le S parce que du coup je suis pas sûr que ça marche. Puis je vais m'arrêter là parce que si je fais des bêtises, l'idée c'est pas de compliquer la vie des autres. EL du coup pour le grec moderne, contrairement à GRC qui est pour le grec ancien. Si ça intéresse quelque chose de quelqu'un de vérifier, bah, qu'il n'hésite pas à prendre ici cette URL et à compléter la liste sur DBpedia. Voilà, et puis d'ailleurs on peut en fait le changer ici aussi, j'ai vu après coup. Voilà pour ce soir, il me semble déjà pas mal de vous avoir montré ça. Ce qui est important de retenir, c'est que bah, effectivement il y en a énormément, et puis si j'enlève le par pays là qu'on avait là tout à l'heure, hop là, on est déjà passé, donc tout à l'heure on avait 113 je crois, puis on a ajouté quelques-uns, donc 136. Waouh, je sais pas s'il y a quelqu'un qui en a ajouté pendant ce temps-là en parallèle, mais si c'est le cas, merci. Super surprise. En tout cas, voilà, le CS et DE que je viens d'ajouter apparaissent. Le EL devrait apparaître dans quelques secondes. Ok. Et là, je suis sûr qu'on peut facilement multiplier, sans doute même par 10, tous les points Sparkle. Ce qui est important quand même de rappeler, c'est que il en existe des publics qu'on peut ajouter sans problème. Il en existe aussi des privés. Moi, je sais que j'ai accès à 2-3 points Sparkle privés. Il y en a un qui devrait bientôt être disponible en public, mais pas encore. Et puis, il y en a un autre, par contre, il est définitivement privé, donc il n'y aura pas d'accès. Mais ça permet de faire des choses. Puis connaître ces points Sparkle permet aussi de faire des gadgets ou des choses autour. Voilà. Je vous laisse éventuellement poser vos dernières questions et je repasse en face écran pour lire le chat. Dalf nous parle de DBpedia, page Sparkle. Une page de doc qui est pas mal, effectivement. Same as. Ah oui, ils sont listés aussi là. Arabe, Canada, catalan, tchèque. C'est marrant, c'est pas la même liste. Donc faudrait vérifier. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas. C'est en HTTPL et S et pas d'autres. Et par contre, il met aussi du Sparkle ailleurs que pour DBpedia. Intéressant cette URL. Merci du partage. Je regarderai plus tard. Il me semble avoir vu Rue. Oui, il y avait Rue aussi. Voilà. C'était un tour rapide. J'espère que ça vous a quand même plu, que vous avez appris des choses, que ça vous a donné des idées pour aller plus loin. Moi, j'en ai quelques-unes en tout cas, donc peut-être que dans quelques semaines, je vous montrerai d'autres choses autour de ça. Notamment, j'espère oui, effectivement que je me disais faire de la fédération, requêter 2 endpoints Sparkle, et puis pouvoir comparer. En l'occurrence, que ça soit percé ou IDRF et Wikidata pour améliorer Wikidata clairement et autour de personnes liées à Clermont-Ferrand, ça serait encore plus beau, par exemple des chercheurs qui seraient à l'université de Clermont. Mais ça, il faut que je regarde par quel chemin je peux requêter les chercheurs de l'université de Clermont, des choses comme ça, et surtout le chemin optimal, parce que j'ai trouvé des façons de faire un peu brutes. C'est pas forcément optimal pour l'instant. Mais j'avais déjà envie de vous montrer ça parce que c'est super intéressant. Ça vous donnera, vous aussi, je l'espère, des idées. Voilà, je vais m'arrêter là du coup pour ce soir. Comme je le disais en introduction, je ne serai pas là la semaine prochaine. Je vais à une conférence sur les biens communs et Elinor Ostrom. Donc ça sera très intéressant et je ne serai donc pas présent en ligne mardi prochain. Mais on se retrouve dans 2 semaines du coup.
Voilà. Et pour les activités à venir, il y a la Wikiconvention francophone qui a lieu ce week-end. Wikiconvention francophone, que je retrouve le lien pour vous le partager. Wikiconvention 2021, c'est d'autant mieux. Je vous donne le lien ici. Vous pouvez encore vous inscrire, pas tout à fait jusqu'au dernier moment, mais presque. Ça parlera pas beaucoup beaucoup de Wikidata, mais un programme qui est très intéressant. Si j'avais pu la semaine prochaine, j'aurais fait un débriefing, mais ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Et il y a plein d'autres événements, mais je ne vais pas forcément tous les lister. Il y a l'Assemblée générale de Wikimedia France le week-end d'après aussi. Et tout un tas d'autres choses. Bah, merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Rendez-vous de 2 semaines pour plus de Sparkle. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.